Hello, bonjour, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta motivatrice. How are you, my dear? Comment tu vas? Moi, je me porte très bien. Je voulais parler à toutes les personnes qui ont vécu dernièrement un choc émotionnel, un traumatisme, une séparation, une rupture amoureuse ou un divorce ou même un veuvage. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la fin du monde. Je suis désolée de ce qui vous est arrivé. Mais ce n'est pas après un divorce, après une rupture, une séparation avec un être aimé, ce n'est pas une bonne raison pour être en délestage et se laisser en jachère. Je rencontre des dames qui, non, le gars il m'a laissé, depuis qu'il t'a laissé, tu ne te peignes plus les cheveux, tu ne brosses plus les dents, tu ne te laves plus, c'est la fin du monde, like, you want to kill yourself, tu veux te suicider. Non mais attends, allô? On est dans quel monde? Aujourd'hui, c'est pas, une personne te laisse, mais c'est pas comme si Dieu t'a laissé. C'est pas comme s'il y a eu un coup d'état au ciel. Oh non, mais tu comprends pas, il m'avait promis. Oui, and so what? Et alors? Ne me dis pas, vous avez dit, ouais, mais coach, tu fais comme si. Moi aussi, je suis une femme, je suis passée par là. And so what? Ça m'a pas empêché de vivre, de mûrir, d'être encore une meilleure version de moi-même. Tu es là pour toi. Un homme peut t'abandonner, mais tant que Dieu ne t'abandonne pas, tu n'as pas le droit de t'abandonner. Tu n'as pas le droit de te laisser aller, de te laisser tomber. Donc, brosse-moi ces dents, peigne-moi ces cheveux, lave-toi, habille-toi même mieux. Sois pata, pata de pata. Tant pis pour lui qui a perdu. C'est lui qui a perdu. Tu es une princesse, tu es une couronne, tu es un privilège. Je t'en parle dans le cours Kitsune, j'ai privilège de femme. Une Chichibo, c'est une femme qui a su prendre les coups durs de la vie, la mort d'un être cher, la séparation d'avec une personne, quel que soit le motif, pour en faire des forces. C'est une femme qui se soigne, c'est une femme qui choisit de faire couler. On appelle de l'or et la vie et l'épanouissement et l'amour de soi entre les fissures de son cœur, entre les fissures de son corps, entre les fissures de son âme, entre les fissures de son esprit. C'est une femme qui est plus forte, une femme qui est plus mature. C'est un homme qui est capable de dire aujourd'hui, yes, I've been through this. Voilà d'où je viens. J'ai été cassée, rejetée, blessée et tout. And here who I am today. Voici celle que je suis aujourd'hui. Je suis une personne magnifique, merveilleuse, disposée à être aimée et à aimer encore. C'est pas l'occasion pour toi de devenir amère, remplie d'amertume, remplie de ressentiment, remplie de haine envers les hommes, envers les femmes et de généraliser et tout. Ça, c'est le meilleur moyen de se détruire soi-même et c'est dommage. Et moi, je suis venue aujourd'hui te dire non, ne fais pas ça. Relève-toi, va faire du sport, sors, contacte tes copines, contacte la famille, ne fuis pas les gens, rencontre les gens, cherche un nouveau boulot, peut-être pourquoi pas déménager, change de quartier, change de pays, prends des nouveaux défis, like, rise up. Donne-toi un bon coup de pied là où je pense et puis avance, remotive-toi, sois ton coach personnel. Chaque jour, lève-toi en disant merci Seigneur parce que je vis, même si une personne m'a laissé, ce n'est pas ma fin, je ne suis pas morte. Are you hearing me? C'est de ça qu'il s'agit. On a tous vécu des moments difficiles, mais ce n'est pas pour autant qu'on laisse ces moments difficiles à nous piétiner, nous détruire. Non, c'est le moment où on dit, bon, d'accord, j'ai vécu ça, peut-être que j'avais une leçon à apprendre. Parce que tant que tu n'apprendras pas la leçon, tu continueras de souffrir. Tant que tu ne diras pas, I get you, je comprends, c'est ça que je devais comprendre. Peut-être que je devais changer ce comportement en moi. Peut-être que j'étais toxique, peut-être que j'étais ceci, je n'étais pas assez mature. Tire des leçons et move forward. Tire des leçons et deviens meilleur. Tire des leçons et va de l'avant. Mais tu ne peux pas être là en train de pleurer sur quelque chose qui s'est passé et puis passer ta vie à regarder dans un rétroviseur, mais tu vas te cracher de l'avant. Tu n'iras déjà pas de l'avant parce qu'on peut pas avancer en regardant derrière. On avance en regardant l'avenir avec un regard neuf, en se disant, bon d'accord, ça s'est passé, mais il y a sûrement mieux pour moi devant. La vie ne va pas t'envoyer des choses que tu ne peux pas supporter. Si on t'envoie des coups aujourd'hui, c'est parce qu'on a estimé que tu es capable de surmonter ça et de devenir meilleur pour être une référence, pour être une inspiration pour quelqu'un d'autre, ou peut-être même pour toi-même, pour devenir meilleur. Peut-être que la personne avec qui tu étais, c'était pas cette personne qui pouvait t'emmener dans la plénitude de ta vie, tu vois. Donc, tire des leçons, assieds-toi avec toi-même, comprends pourquoi ça n'a pas marché et move on. Et tu sais quoi? Si tu décides d'oublier cette personne, tu l'oublieras. Tu es né sans cette personne, tu as grandi sans cette personne. Cette personne est rentrée dans ta vie à un certain moment de la vie. Ce qui veut dire que si tu as pu vivre avant cette personne, tu peux vivre après cette personne. Et tu trouveras forcément quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien, quelqu'un de peut-être plus beau, plus choco, plus romantique, whatsoever, quelqu'un qui... Wow, quelqu'un qui t'est vraiment destiné. Parce que si cet homme ou si cette femme t'était destinée, elle t'aurait pas quitté. Et bien, ça serait pas là où vous êtes. Tu mérites peut-être quelqu'un de mieux, quelqu'un qui cette fois-ci te sera fidèle, qui va pas te mentir, qui sera loyal, qui sera intègre, qui saura t'aimer pour toi. Mais si tu continues de pleurer ce texte-là, ou cette personne qui est décédée, tu ne pourras pas croquer la vie à belles dents avec les belles choses que Dieu a prévues pour toi. Donc, j'aimerais que tu te redresses comme une lionne, comme une titubosse, que tu baumes la poitrine, que tu te fasses belle, que tu changes de coupe de cheveux dramatiquement et que tu embrasses les nouveaux défis.
Parce que c'est ça la vie. La vie est faite de défis. Ne te laisse pas aller. Ne pleure pas à outre mesure, à outrance. Tu peux pleurer un moment, mais arriver à un moment, il faut sécher ses larmes. Je dis toujours, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Donc tu vois, ça dépendra que de toi de mettre un joli sourire sur ton visage et de te dire, yes, I'm gonna get it. Je vais avancer. Je vais vivre ma vie à nouveau. Je vais aimer, mon cœur est libre. Et bien tant pis pour celui qui m'a laissé, parce que celui qui va m'avoir, et bien, il va avoir un privilège. Il va avoir une personne formidable à aimer, une personne dynamique, une personne capable de beaucoup par amour. Et tu sais quoi, tu auras appris des leçons et cette fois-ci, tu feras plus attention dans cette nouvelle relation. Donc, je te souhaite de te redresser. Je te souhaite de guérir vite et de reconquérir la femme épanouie qui est en toi, de reconquérir l'homme épanoui qui est en toi, de reconquérir la petite boss. Je t'aime, je te kiffe, je te love. Tu es ici.